Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Excusez-moi du dérangement. Je me présente, je suis monsieur Traoré et voici mon collègue monsieur Doucy. Voilà, nous sommes les représentants de l'ambassade en Côte d'Ivoire, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour le recrutement des soldats pour combattre en Ukraine. En vous voyant, avec la forme là, vraiment, on a vu que vous êtes un combattant. C'est cela qu'on vous apporte pour voir si vous êtes intéressé. C'est la raison pour laquelle on vous en parle. Je veux bien comprendre. Vous cherchez les gens pour aller en Ukraine. Mais où faut que ça mousse là? Dans les Abidjan. Là-bas, il y a du monde. Où il y a trouvé les gens là-bas? En fait, ma patronne m'a envoyé. Elle a vu son médicament. Je n'ai pas le temps. Attendez. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas un homme, monsieur. Hein? Regardez, vos amis là-bas dans l'avion, ils vont. Paris, vous ne savez même pas où ils vont. Ils vont, ils viennent, viennent, on part de là-bas. Mmh. Vous n'avez pas envie de voir là-bas, de connaître là-bas aussi. Mmh. On part de la Tour Eiffel. On te parle de Paris, la France. Tu ne veux pas connaître là-bas? Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller voir les gens, monsieur, et puis on va aller en parler aussi. Attendez. Vous parlez de l'Ukraine, wa ça va aller. Monsieur, vous êtes censé aller en Ukraine. Mais arrivé à Paris là-haut, est-ce que vous êtes obligé d'aller en Ukraine pour aller faire guerre? Vous n'êtes pas obligé. Une fois que vous êtes arrivé à Paris, vous cachez quelque part. Et puis vous devenez parisien. Tu arrives à Paris, tu t'es caché quelque part. Macron même, il ne vous connaît pas même. Il ne vous a jamais vu. Tu es obligé d'aller faire guerre. Tu restes à Paris là-bas, tu deviens parisien, c'est pas mieux. Là comme ça, elle devient parisien. Hein? Ah, vu. Mon patron là aussi, sa femme là. Tiens, ils vont en France là-bas. Ils vont à Paris. Quel voyage là? Paris, voyage là. Ah. D'accord. Ok, donc à vous de voir. Hein. À vous de voir. Bah, attendez. C'est quoi à faire, non? Oui. Laissez-moi le temps de réfléchir. Hein. Donnez-moi votre numéro, je vous appelle. Ok. Je prends le 00 225 48 119. Je vous appelle. Hein. Ok. Okay. À toi de voir. Ah. C'est ta chance. Hein. Voilà. Non, moi, il est tombé dedans, hein. Sûr. Il était pas de quelque chose. Ouais, j'ai pas compris ce qu'il dit. Oh, il t'a dit, moi, il est tombé dedans. Mais quand toi, tu vois le monsieur là, qu'est-ce qu'il t'a fait ça? Il t'a dit, moi, il est tombé dedans. Quand il a tenu Paris, il est demandé s'il connaissait tout le frère. C'est pas du moins toi. Il dit qu'on connaît pas. Il est demandé à la télé, il dit qu'on connaît pas. Il était pas. Moi, il est tombé dedans. Oui. Et c'est seulement le non numéro. C'est pas lui qui a demandé après le numéro. On n'a même pas parlé de la même. Ah, bon, tu as vu, non? C'est on paye le loyer ici, un an. L'électricité, tout, hein. Voilà, c'est lui. On fait tout ça propre. Et puis, il n'y a rien. Alors, on va en team d'abord. Oui. Toi, on se réveille. Tu as besoin de bonnes idées.